Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau et premier Vlogmas 2022. Ça fait tellement de temps que je n'en ai pas fait. Ça date de Versailles et je crois qu'ils sont même plus disponibles ces Vlogmas. Je crois que je les ai retirés. Écoutez, on va dire que c'est nos premiers vrais Vlogmas quoi. Donc je me suis fait un petit café. À chaque fois on me demande d'où viennent mes tasses. Mes tasses viennent de chez Casa. Enfin celle-là vient de chez Casa. Sinon c'est AliExpress ou Action. Ma machine à café, on me la demande tout le temps. Je donne les réponses maintenant comme ça c'est fait. C'est une Nespresso de Longhi. Elle est incroyable. Elle a triplé au niveau des prix. Maintenant elle coûte dans les 300 €. Voilà pour les informations. Donc le programme de la journée. Là, elle est actuellement 10h30. J'ai cours à midi jusqu'à 13h. Et de 16h jusqu'à 18h. J'ai cours de droit, donc j'ai 3 heures de trou. Ce qu'on va faire aujourd'hui, bon d'habitude je vais pas la première heure de cours de droit parce que à chaque fois j'ai 3 heures de trou, ça me saoule etc, c'est nul. Mais là en fait à ce qui paraît on doit faire un projet en groupe, donc il faut que je sois là vu que c'est un groupe. C'est du big data, donc en gros c'est pour prévoir des choses dans le futur. Et en fait je crois qu'on va faire ça sur Walking Dead, genre la prédiction des personnages qui vont mourir. Alors moi je n'ai jamais vu Walking Dead. Mais en gros, on a trouvé une base de données avec Walking Dead, je sais pas quoi. Donc on va voir si on va y arriver, quoi. Mais pour tout ce qui est recherche, big data, etc. Toutes ces matières-là, oui, on utilise le logiciel R. Je suis larguée. Vraiment, je n'ai rien fait. Je fais beaucoup de Google Forms en ce moment pour avoir des réponses, vos réponses à vous. J'ai fait ça sur les signes astrologiques et le travail en groupe. Donc j'ai hâte de vous montrer les résultats. Faut que je le fasse, mais je sais pas comment faire. Pendant 25 jours, on va donc... vivre ensemble, voilà, bon courage, prenez un bon café hein, parce que ça va être dur. Et donc là j'ai environ une demi-heure là pour me préparer à peine. J'avais oublié que quand on filmait on prenait plus de temps pour préparer, donc écoutez, je vais essayer de me dépêcher. J'ai une heure de trajet à chaque fois, donc je pars à 11h et puis bah voilà, on va manger après là-bas. Je pense que je vais me prendre un petit picard là-bas, donc on verra bien. Donc aujourd'hui on n'ouvre pas les calendriers de l'avant vu que nous sommes le 30, donc on va faire ça demain. J'ai plein de calendriers de l'avant à ouvrir. Ah oui, voilà aussi ça qu'il fallait faire, faut qu'on récupère notre sapin de Noël. J'ai un sapin de Noël blanc que je dois vendre à une pote et un sapin de Noël normal, donc le mien en 2m10 qu'il faut que j'aille récupérer chez ma soeur, donc j'irai le récupérer. Franchement hier c'était n'importe quoi, genre vraiment je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je sais pas si je peux en parler mais franchement on n'a pas de tabou entre nous. En fait je suis vaccinée des taureaux, là j'en peux plus. Vraiment je peux plus les taureaux, vous arrivez à retourner la situation, à vous mettre en position de victime, c'est incroyable. Et j'étais choquée de la façon dont vous le faites. Je sais pas si c'est tous les taureaux comme ça, mais en tout cas les taureaux hommes, je peux plus vous saquer. J'ai voulu donner une énième chance. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est incroyable. Vraiment, en gros, bah, hier je suis allée voir un mec pour essayer de terminer la relation parce que bah voilà, c'était... Ça me convenait pas, je ressentais rien, ça me saoulait, enfin voilà, ça faisait 2 semaines que c'est bon, je parlais beaucoup moins, donc je savais pas trop comment essayer de me séparer entre guillemets de lui, d'arrêter la relation, sans forcément lui faire du mal. Et au final, bah ça s'est fait très très rapidement du coup, il s'est mis en position de victime et on s'est quitté en embrouille. Alors moi je suis pas du tout quelqu'un qui aime les embrouilles, j'aime bien bah voilà quitter la personne et que tout se passe bien et tu vois on reste sur de bons termes. Là c'était pas du tout le cas, donc ça me soulage de plus être avec cette personne là entre guillemets. C'était pas une relation de couple, hein, c'était une relation plus sexuelle, mais ça me fait chier de finir sur comme, enfin sur ça, ça faisait quand même un mois et demi qu'on se voyait, enfin tu sais, il y a un minimum de respect, ça. Mais bon, c'est des taureaux, voilà, donc je suis vaccinée des taureaux. Maintenant la première question que j'ai posée à quelqu'un, c'est pas son prénom, c'est quoi ton signe astrologique? Ils vont me prendre pour une folle, mais j'en ai strictement rien à foutre, j'en peux plus. Donc bref, j'espère que vous êtes prêts pour cette session de Noël, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous tout le temps, parce que je vais allier et mes études, parce que là ça va être le bordel, les études, là ça va être n'importe quoi, et les vlogmas. Donc j'espère vraiment que vous allez aimer le contenu. Des fois il n'y aura pas beaucoup de contenu parce que voilà, genre par exemple demain là, demain ça va être une catastrophe mes cours. Donc ce sera plus le week-end où j'aurai du contenu à vous donner, et le lundi et le mardi. Voilà pour ça, il y a Prince en train de s'amuser avec et trop même ça. Attendez, je vais vous montrer. Tu t'amuses avec quoi mon cœur? Tu t'amuses avec ça? C'est un petit jouet que Katz m'a envoyé parce que Prince est ambassadeur de la marque et il kiffe. À chaque fois je vois ce petit truc genre partout dans l'appart. Oh mon cœur, ouais, ouais. Il est trop mince. J'ai reçu les croquettes de Prince et tout. Et c'est les nouveaux packaging, ils sont vraiment trop jolis. Donc voilà. Bon allez,
on va se préparer et on va aller en cours. Voilà pour l'outfit, vraiment rien de extraordinaire. J'ai mis un pull qui vient de chez Shein, il est tellement bien. Genre il est tellement doux, tellement moelleux, il est trop cool. Là c'est un jean qui vient de chez Stradivarius et c'est un jean brut vraiment basique. Donc voilà, c'est parti, on va à la fac faire 3 heures de droit avec 3 heures de trou. Enfin donc 6 heures à la fac, c'est parti. C'est là. Et des fois t'as des menus. C'est ça, ça marche comment? Un pain, une boisson. C'était genre 5 euros la Et bon appétit. Bon appétit. Le plat de la dèche. Mais ça m'a coûté 5 balles cette merde. Hein. Ah ouais? Ouais. Moi, je sais pas, j'étais choquée. À l'habitude, je m'en sors pour 3 euros. Pour menu et tout. Hein. Bon, bon, enfoiré. C'est quand ça? C'est maintenant. C'est une vidéo par jour, du 1er au 25 décembre. Donc, comme c'est décalé, le 24 je filme et le 25 je poste. Donc, il y aura les calendriers de l'avant. Cindy, elle est à fond dedans. Elle dit ouais, il y aura les calendriers de l'avant. Ça va être drôle encore. Ah! Ah! Pour notre plat. Ouh! Ouh! Je pense que c'est chaud. Laisse-le dedans au pire. Ouais? Ouais, ouais. La fac, pas rien. On est pas mal. Hein. Ensuite, on s'est posé dans une salle, mais le problème, c'est que genre 6 minutes plus tard, il y a des gens qui sont venus parce qu'ils avaient cours. On pensait que c'était libre, mais en fait, pas du tout. On a voulu bosser notre Google Form pour Big Data, sauf qu'en fait, bah, je me suis retrouvée à bosser en fait recherche en management avec mon autre groupe. Comme les gens sont arrivés, eh bien, on s'est posé dans un prêt-à-manger. Alors, c'était vraiment compliqué de trouver une place, surtout pour 6, mais franchement, c'était hyper convivial. J'avais mon petit chai latte et tout, c'était trop bien. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu éclatée, je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'avais un coup de barre, c'était horrible. Je dis, bon, c'est quand même beaucoup d'ennui, parce que je vais monter un plan de remplacement, il faut des réunions, alors 9 égale moins 10 égale pas PSE. Ah, on, off, je commence à négocier. Bon, je viens de rentrer, il est actuellement 19h30, je crois. Oui, Prince, j'arrive, je te jure, j'arrive. Je me lave les mains 2 secondes, s'il te plaît. Je suis rentrée, je suis allée directement faire des petites courses, donc je vais vous montrer ça juste après. Froid chez moi, putain, c'est ouf. Pourtant, j'ai mes chauffages dans le bureau et dans la chambre, mais ça veut pas venir dans le salon. Donc, je vais vous montrer mon petit retour de course. Je vais lui donner à manger. Alors, je suis passée à Carrefour faire des petites courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Hop. Alors déjà, j'ai acheté des poinsettias. Elles étaient à 2 euros de base. Et en fait, je les ai eues à 60 centimes la pièce. Donc vraiment pas cher du tout. J'en ai pris 2. Je sais pas si j'en donne une à ma voisine ou pas. Parce que vraiment, 60 centimes, ça vaut vachement le coup. C'est dans un pot. Donc trop bien, je suis trop contente. Il y en avait plein à Carrefour, donc si vous en voulez, n'hésitez pas à y aller. Et là, dans les courses, j'ai vraiment pris de la merde. J'en ai eu pour 25 euros. Vraiment, ça allait, je trouve, pour ce que j'ai pris. J'ai pris des salades parce que je vais en avoir besoin pour manger prochainement. Donc j'ai pris ça, des manhattan, c'est mes préférés. J'ai pris des religieuses au chocolat qui font une sale gueule, mais franchement, on va tester. J'ai repris des viennoiseries parce que je n'en avais plus. J'ai repris une Nutella parce que j'en ai bientôt plus. J'ai pris des bananes.
J'ai pris, alors ça, what the fuck, j'ai pris décrassé de pommes de terre, de carottes. Alors ça, on peut le faire soi-même, hein, je suis d'accord, mais flemme. Donc, je n'ai vraiment pas grand-chose à faire. Mais vas-y, ça coûtait 2 ou 3 euros, je crois. Je voulais tester, je voulais juste goûter si c'était bon, et puis voilà. Ensuite, j'ai pris du tzatziki, la base. J'ai pris deux fois ça, c'était à moins 80% le deuxième, je crois. Donc j'en ai pris deux. Et j'ai pris des choux à la crème, trop trop bon. Et j'ai pris de la salade. Voilà pour ce que j'ai pris à Carouf. Du coup, bah voici mon petit repas du soir. J'ai épluché des carottes avec tzatziki, du beurre de chenelle et du pain et de la citronnade. Ça, je mange assez souvent parce que j'aime beaucoup manger ce genre de trucs. Et si j'ai encore un peu faim, je me fais d'autres choses, mais généralement, ça me cale. Du coup, je suis trop contente des petites pincées de ça, je trouve ça trop mince. Trop belle, donc 60 centimes ça vaut vraiment le coup. Ma soeur a été choquée, je lui ai dit. Elle m'a dit, mais what? Enfin, elles sont en bon état et tout. Franchement, j'ai été choquée. Donc, je sais pas dans quoi je vais les mettre là pour l'instant. Les poinsettias, c'est pas besoin de beaucoup d'arrosage. Franchement, c'est des repas assez rapides. C'est pas très consistant, mais franchement, j'avais pas trop faim. Enfin, j'avais faim, mais sans plus. Je voulais pas manger un truc hyper consistant, sachant que ce midi, j'ai mangé. Du colin d'Alaska avec des légumes et tout, c'était super bon. Donc je mange très très peu de poisson, j'en mange jamais. Vous êtes peut-être un petit peu haut là. Excusez-moi, je sais plus cadrer moi. Et vraiment trop trop bien. Donc je pense que je vous aurais fait une petite voix off pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait. Mais concernant mon projet de groupe, j'aurais peut-être besoin de vous. Je vous ai mis en barre d'informations le Google Form. Pour répondre à mon petit questionnaire, ça prend vraiment 30 secondes. Il n'y a rien à écrire, c'est juste oui, non, etc. Enfin, juste à cocher. Il y a très peu de questions, je crois qu'il y en a 15. Donc n'hésitez pas à participer pour mon petit questionnaire, ça me ferait super plaisir. C'est pour la recherche en management. Donc ça va permettre de déterminer les facteurs de la santé mentale, etc. Et j'ai hâte de voir toutes vos réponses. En tout cas, je vous avais fait déjà un autre Google Form, ça c'était pour mon projet individuel, sur les signes astrologiques et le travail en groupe. J'ai trop hâte de vous montrer les résultats parce que c'est vraiment fou. Chaque signe astrologique a son propre, a ses propres mots. Genre vraiment, c'est fou, ils sont tous pareils. Donc ça me faisait rire. Donc là, c'est sur la santé mentale, sur l'aptitude d'aller voir un psy. Voilà, je vous en parlerai un petit peu mieux peut-être de ce projet. Je vais aller dans le bureau là. Et parce qu'il faut que je bosse un minimum, il faut que je fasse le montage de cette vidéo, j'avais complètement zappé, mais ouais. Donc pour vous parler vite fait du projet, en fait on a fait donc des groupes en recherche en management, et le but c'est de faut faire en fait des arbres et avoir des probabilités en fonction de certaines variables, etc. Du coup il faudra coder tout ça incessamment sous peu, donc je pense qu'on va le faire vendredi. Je devais aller chercher le sapin. Visiblement, j'en ai pas eu le temps et j'ai absolument pas envie là pour l'instant parce que je suis fatiguée. Genre mon meilleur ami Damien, il m'a dit « Lisa, t'as une tête de déterré, va dormir ». J'étais éclatée, genre en droit. J'étais en train de m'endormir, je n'en pouvais plus. Mais en tout cas, c'était une bonne journée. On a bien avancé sur le projet en 1h30. On a fait le questionnaire et tout. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il y a quand même une entente assez cool entre ces personnes-là. Maintenant, voilà, faut attendre les réponses des gens et après coder ça et surtout aussi faire une vidéo par rapport à ça pour le présenter en amphi. Donc moi, je m'occuperai plus de tout ce qui est vidéo. Enfin, je pense que vous, voilà, c'est plus mon dada, mais j'avoue que j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Sur tout ce qui est santé mentale, etc. Et je trouve ça super important d'en parler, la santé mentale. Moi, personnellement, je sais que je ne vais pas bien depuis très longtemps. Ça va faire plus d'un an maintenant et que bah, j'étais dans le déni. Et bah, là, j'ai commencé vraiment depuis septembre à me prendre en main. Donc j'ai mis quand même plus d'un an à me prendre en main, ce qui est énorme, ce qui a fait vraiment une destruction de mon corps et de mon mental. Donc c'est très important de prendre soin de soi et c'est le but de ma recherche en management. Donc j'espère sincèrement que vous répondrez aux questions, ça me ferait en tout cas super plaisir. Et je vous l'ai mis aussi sur mon Instagram, donc c'est pas si les gens ont Instagram, je vous l'ai mis en story, et si les gens n'ont pas Instagram, je vous l'ai mis aussi en barre d'infos. Voilà, j'ai plein de colis à aller chercher, j'ai fait un petit peu mon ma to-do list de cette semaine, de ce qu'il fallait faire. Là je vais aller me laver, je vais aller essayer de prendre un peu soin de moi, parce que je suis fatiguée, je vais me poser devant une série, je sais pas, je vais me poser dans le canapé. Parce que là je n'en peux plus de cette journée interminable. Donc voilà, c'était vraiment une journée étudiante, il n'y avait pas grand chose à montrer. Je suis désolée, mais j'ai vraiment fait au mieux. De toute façon, quand on est en groupe en train de travailler, je me vois mal en train de filmer en mode bonjour, hein, salut, ça va. Et puis bah, ce mois-ci, je vais essayer vraiment de me focaliser sur moi, parce que octobre, novembre et septembre aussi on va dire, j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres. Vraiment beaucoup de rencontres et je trouve ça assez enrichissant.
J'ai énormément apprécié mes rencontres, même si voilà, des fois c'était des downs, c'était des flops, des tops, enfin vraiment, c'est au petit bonheur la chance. Mais ça m'a vraiment inspirée pour toutes mes futures vidéos sur Instagram. Donc si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, j'en ai fait sur les red flags, qui a vraiment bien fonctionné. J'en ai fait une sur l'amour et aussi j'en ai fait une sur la rentrée scolaire. Donc c'est des vidéos avec des voix off, comme un espèce de mini podcast de 1 minute et ça m'inspire énormément. Et là j'étais inspirée encore une fois par le retournage de situation, que je trouve ça vraiment pertinent et du coup ça m'inspire énormément. Mais en fait à force de faire trop de rencontres, bah, en fait on se perd soi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai fait vraiment beaucoup de rencontres. C'est pas genre une rencontre par semaine, c'est genre une rencontre par jour quasiment. Je sortais tous les jours, tous les soirs, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et en fait, on se perd soi-même. Et là, ce mois-ci, je vais essayer de vraiment ne pas me perdre, ne pas trop faire de rencontres et vraiment être focalisée sur YouTube parce que c'est vraiment beaucoup de boulot, des vlogmas. Je me souviens de comment c'était, c'est n'importe quoi. Et j'espère vraiment que je vais pouvoir réussir parce que c'est un objectif que je me suis donné. Bon là, ce week-end, je vais faire une nouvelle rencontre. Mais voilà, si ça n'aboutit pas, eh ben je n'en referai pas. Genre je vais rester dans ma zone de confort pour une fois et faire ces vlogmas et apprécier ce mois de décembre parce que c'est un très joli mois. J'adore le mois de décembre. J'ai hâte demain d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc voilà, demain le programme, ça va être une journée productive. Jeudi, c'est généralement la journée de la mort avec le vendredi. Demain, j'ai mon examen de sport. Faut que je sois en pleine forme parce que ça va être très très dur. Ensuite j'ai mon TD de droit où elle va rendre les contrôles. Je vais avoir une sale note donc je vais pleurer. Si j'ai la moyenne, je sais pas ce qui lui a pris, je sais pas. Ensuite j'ai 5 heures de cours de gestion de risque et de crise, sachant que ce cours là je me fais chier. Donc c'est 5 heures où je vais me faire chier. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais faut que j'essaye d'avancer sur des cours en même temps, je sais pas. En tout cas ça me fait chier. Du coup, voilà, c'est vraiment un jeudi très compliqué, donc je pourrais pas beaucoup vous filmer les trucs, mais j'essaie de planifier mon mois, etc. Je vais faire des petites choses, donc je vais faire ça en même temps que je suis en cours, parce que vraiment j'aurai pas le temps, sinon demain soir, je vais être claquée demain soir, je me connais. Sachant que le vendredi, je fais du 9h-22h. Vraiment, en fait, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est la mort. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce premier vlogmas vous aura plu. On va faire beaucoup plus de choses hein, dans les prochaines vidéos, on va faire les décorations. Donc déjà, vendredi, il faut que j'aille chercher le sapin, ça c'est sûr, j'irai le chercher. J'irai chercher le sapin, on va faire les décorations ce week-end de Noël, on va faire toutes les décorations. J'ai trop hâte, on va faire du ménage, de l'organisation. On va aller voir aussi les décorations Noël dans Paris, donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram aussi, tous les jours je poste une story, etc. C'est ElisaBRTOff. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Ciao!